What's up, man? C'est Dino. You know what I'm saying? Dino Gang the Tripper, artiste rappeur, right here sur le vrai Mac. Conseil tout d'abord, Hamdini, de m'influencer la jeunesse sénégalaise sur le besoin et la nécessité même de vraiment Hamdini nous donne quoi, en tant que Nini Nul, en tant que personne, en tant que Juliette, en tant que Sénégalais. Après, Khol, l'harmonie empêchée pour nous développer. Les raisons réelles, les raisons locales par rapport au gouvernement, avec nous manager responsabilité, pour nous gérer de Kébi, voilà les raisons internationales par rapport à une relation avec les grandes puissances que nous avons. Voilà, nous devons servir localement nous, pour leurs besoins en ressources premières et tout. Nous avons fait un peu de temps sur nos places, nous avons fait un peu assumé sur nos places, nous avons une prise de position pour nous mettre en place. Donc ben, c'est un éveil, c'est un mouvement d'éveil social, de conscientisation des jeunes, quoi, en quelque sorte. Après, nous avons un délai encouragé pour nous bagner tôt, quoi. Nous avons un système académiquement. Nous avons fait un japonisme de vitamine, comme nous avons fait un jai ou un jai ou un jai journalier, mais un jai top. Nous avons influencé une culture de ligue. Dans le showbiz, ouais, j'ai eu des regrets, mais dans ma vie personnelle, j'ai eu énormément de regrets. Et à la fin de mon jour au Sénégal, j'étais jeune, you know, donc j'avais un concept vierge quoi, de la mentalité sénégalaise, si on peut dire ça. Mais j'aime pas trop les généralisations parce que Niki Mel de non les calais de Mel, bon, il y a les facteurs sociaux aussi, les facteurs sociaux qui influencent, qui nous donnent quoi. Mais en général, les Disney ni les Sénégalais. En général, les Sénégalais sont là, quoi. Surtout pour les gens qui ont des affaires où Julie Tebi, voilà, affaires où Yaram Tebe, c'est parce que bon, peut-être que les gens ont été influencés sur l'eau, mais ça, c'est ce que je veux dire. Les gens qui ont des affaires, ils ont des affaires, ils ont des affaires, ils ont des affaires, ils ont des affaires, rappeler qu'en tant que Djolit, en tant que Sénégalais, quoi, on a une culture, you know, une culture, une mamie, une maman, c'est les nuits dans le jungle. Mais les nuits dans le jungle, c'est les nuits dans le jungle, c'est les nuits dans le jungle, c'est les nuits dans le je blâme l'école, you know, l'éducation occidentale, parce que nous avons une compétence professionnelle, une histoire pour nous comme dans la vie professionnelle, pour gagner. En même temps, nous avons une histoire les. Il y a une affaire que nous avons peut-être l'éducation civique. Comme l'éducation civique, nous avons l'école, je ne sais pas. Mais dans le temps, nous avons quoi. Mais tu vois, nous avons l'idéologie, la culture, la façon de penser, la façon de réfléchir. Nous avons l'Occident, par rapport à ce que nous avons, par rapport à cette réalité que nous avons. Ça dépend du segment société bini wax quoi bu des segment société bi nga xamni c'est les intello ou même pas les intello jeunes mais les intello yi nga xamni ni passé nañ la trentaine et plus mbalax bi mo la li gëna intéressé parce que biñu nek xalé di mag mbalax bi lañu manquer quoi mom lañu gëna xam mom lañu gëna contrôler mom lañu gëna maîtriser ba paré comme je disais tout à l'heure intellectuellement dafa am ben corruption bu am cette façon de penser quoi ba nga xamni ni occidentalisation moy tax ba lepp nga xamni c'est pas occidental c'est pas tellement bien reçu quoi wala automatiquement bien reçu té rap bi xamni ci mbéd mu la joxé xamni ni c'est noir c'est pas blanc donc le segment intellectuel de la population sans le vouloir ou peut-être c'est naturel hein, parce que bini mag mbalax lañu amone mais en fait hip hop de nek ben affaire bo xamni c'est pas désirable pour eux, parce que ñom gisunu len lu moy nga jang école quoi nga jang école am ben capacité intellectuelle wala ben capacité intellectuelle pour les permettre bo gëné ce monde professionnel bini nga fit ben modèle quoi bu ñu gis ni moy modèle de réussite
liñ dul xalaat tout temps moy ni même bu ñëpp jàngoon ñëpp jël pay ñëpp graduate ñëpp am degré ay degrees bu ñu génnee si mbedd mi ñëpp duñu am job quoi parce que y a pas assez de boulot pour satisfaire tout le monde donc il va falloir que ñu am yeneen débouché you know yoo xam ne day contribuer ak segment intellectuel boobu pour le tout former benn société quoi hip hop bi nag fa la place ak nekk quoi te qui le veut you know léegi la les jeunes intello wala ñi nga xam ne nii peut être ils sont pas intellectuellement bien calé ñu bëri ñoom hip hop bi lañ faraw quoi donc loolu daf mel ni rek old school hip hop yi bañe old school hip hopeurs yi bañe cédé la place à la jeunesse tôt ou tard day changé quoi c'est la vie des rom quoi donc non personnalité hip hop bi ni instant bi intéressé wul généralité bi mais ñi mu intéressé ñoom ñu ngi màgg ñu ngi jël si seen place dans la société sénégalaise bon j'estime que buñ jëlee seen place tamit duñu gese hip hop bi quoi nañu continuer di ko support yeneen génération yi yëg tamit ñoom hip hop day fekk ñoom ñu juddoo si hip hop bi màggaale hip hop bi donc dina fekk hip hop bi di riche apogée à ce moment aussi donc loo xam ne la ni day suivre son cours normal là instant bi tolloguñu fi ñu bëgg mais incha allah dina fa toll quoi ñun ñu ngi jox def nañu kenn bilaay kàttan pour mu toll ko incha allah. Oui, ça m'avait très surprise et j'en étais très content. Mais si je me suis dit que les passés et tout, bon, peut-être que ça a été l'Indie américaine en curse. You know, ça n'a pas été à ma faveur, quoi, parce que le hip-hop est un peu comme ça. Je me suis dit que je n'avais pas saisi ça. Et donc, je me suis dit que je n'avais pas hip-hop. Les borom hip hop bi ñom daf leen xossu woon quoi ils ont pas beaucoup apprécié parce que ils me connaissaient pas je venais juste d'arriver dans le game gars di mo nommé té ñom am na ñoo xam né ni yag nañ fi xam nañ né bon pour ñom ñoo waron gëna yallo nomination bi quoi donc mais man mom you know dama liggéey j'ai sorti mon produit ñi déglu produit bi ils ont jugé que produit bi mérité woon na ko bon à chacun son opinion na quoi du loo xam ne ni you know, dinaa su sore quoi mais man moom c'était bien ba pare ubbil na ma ay buntu yu bëri ubbil na ma public te même bu dee retombée négative yi aussi you know créé nañ benn curiosité pour gars yi xam kuy daay noo benn genre buzz ñëpp bëgg a déglu daay album bi lan la li tax ñu nomi ko et tout donc c'était bien mais album boobu nii moo waral lu bëri si album boobu moo waral fi ñu toll nii tey ak album bu bees mais waa di génn quoi mais nomination boobu moom selon moi bon voilà c' était mérité quoi parce que même si voté après j'ai fini 7e j'ai pas fini dernier donc loolu mooy am na ñoo xam ne ni jotoon nañu gën album bëgg nañ ko quoi donc c'était pas mal. Retour artistique yi waay bon y a eu des critiques yoo xam ne j' en ai tenu compte par rapport ak sélection beat yi. La qualité des beats ak tamit you know flow bi quoi livraison lyricie et tout ça bon dégg naa si ay critiques yoo xam ne ni j' en ai tenu compte bi may préparé deuxième album bi te bon waral na am na amélioration yu bëri par boo jógee boo xoolee si premier album bi di ko comparer deuxième album bi quoi mais man personnellement ouais j' étais satisfait parce que en tant qu' artiste booy créé bëggoo lu mooy nit déglu ko bëggee ko wala apprécié ko quoi donc par rapport ak retour yu bëri mu jotoon si net bi you know am na ñoo xam ne ni vraiment am na marqué na leen am nay son yoo xam ne ni gis nañ si seen bopp wax nañ may wax yu naa yoo xam ne ni man loolu rek mooy di tax may def musique quoi donc j'ai été très satisfait jaroon na ko quoi. Hip hop de monsieur Dee benn daf que la moo doon premier album boo xam ni bi mu ko déggee dama gis stylo rap boo xam ni man moom laa bëgg quoi you know doon woon sax affaire dañ ñoo di bëgg bi pour juste supporter rap gaal seen mais dafa nekkoon loo xam ni genuinely like réellement nii daf ma touché quoi sujet yi mu doon développé engagement ba pare tu sentais que daf si def xolam quoi du amuloon benn son bu yolom du amuloon benn son boo xam ne daf ko def si album juste pour feesal donc c' était un album vraiment classique et complet quoi. Serigne Touba Mbacke moom la tubaab bi jéem a fexeel ba sonn mënuñ si moom dara ñu delloo si ko boo seetee ñeneen ñu bëri
guide spirituel et dañ lay wax où dañu collaborer ou dañ leen jëlé fi yobul lañ quoi. Le nouvel album Yonu Gor, c'est la culmination de deux années de labeur. C'est ma expérience que je donne au jour le jour, je me donne comme ils sont quoi. Par exemple, je me donne un instrumental demain. C'est mon vécu. C'est mes expériences passées, c'est mes espoirs, c'est mes craintes, c'est mes peurs, c'est ma reconnaissance envers ma mère, envers Yale, envers la vie. Donc voilà quoi, il faut que le bruit quoi, alors on est là, je peux contribuer pour tech qui me donne taille quoi, que d'autres qui donne dans taille, qui allume dans taille. Donc mon bloc quoi, c'est l'expérience que je donne là, expérience là, je ne veux plus donner là. Donc j'espère que connaître dynamo au moins ben son voilà, ils sont yahm les things qui se bob, parce que déjà le classe est attendu quoi. Donc c'est très album bohm les dafa amis sujet yahm les dafa linéaire quoi. Il y a beaucoup d'ouverture là-dessus, là-dedans. Donc j'espère que gars d'une kayway, tramna melomani d'une kayway, j'espère qu'ils ne seront pas déçus quoi. Parce que moi, je suis décevoir pour venir, je suis dégoût. T'es like, je suis trop, mon gars like, donc voilà quoi. De 30 ans, il y a de l'abdi dans l'air quoi, Inch'Allah. Bon, dernier mot, c'est juste voir que ça m'a gagné triples, les fans de Dino, l'album bag, ils ont un coup goal. Nous avons dit que 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 nous avons dit christianisme nous avons dit que nous avons dit baaxé quoi bay ñu ci ay livre pour nous jàng ci gëss ci mu doon suñu melokan mu doon fuñu jiko parce que lool mom bo ci wéru wala rek télé bi am lo quoi bu la télé bi école bu yaré mom kessé mom moy lool quoi donc nañ dello wat suñu pop yi ci livre yi ñu fi bay quoi borom xam tamit li nga xam ni ñom ñoo bari xam bu ñu téer ñu yobale seen xam xam nañ fi bay xam xam bobu quoi nañ koy bënd. Voilà, c'était Gaine Trooper sur Vrai Mag. Yeah, bégayé ñep gagne trip sur le vrai Mac, you know saying, je vous dis à bientôt sur benen épisode quoi, inshallah. Gagne trip. Yes.